Bonjour à tous et soyez à nouveau la bienvenue dans ce Let's Play de Legacy of Kain Soul Reaver. Et c'est l'heure de la vengeance. Le retour de la vengeance. Bon, c'est la deuxième fois que j'enregistre parce que j'avais eu des méga fails. À peine commencé, c'est parti en couille, c'était n'importe quoi. C'est vous dire à quel point ce jeu me déteste, alors on va essayer de faire ça bien. Je vais les ignorer. C'est la meilleure solution pour l'instant. Et j'ai une bonne nouvelle par contre. J'avais inversé... mes gâchettes et du coup je peux regarder la première personne mais c'est un peu embarrassant parce que l'axe des Y est inversé. J'ai essayé aussi de réduire un peu la résolution de l'émulateur pour avoir le droit de moins laguer et j'espère que ça va fonctionner parce que ça me fait un peu chial. C'est lag sans arrêt. Donc maintenant j'utilise les boutons parce que c'est une manette de Xbox et du coup j'utilise la gâchette droite pour lock un ennemi, pour le verrouiller. Donc ça me donne l'impression de jouer à un jeu next-gen. Mais le système de combat rappelle quand même un dur retour à la réalité. Wow, j'ai été chanceux là. Une torche par terre, donc sûrement, je suis déjà sûrement passé par ici. Non. Par contre, il y avait des choses là-bas en bas. Et il faut les activer, donc il faut vaincre les ennemis, et donc il faut prendre le risque de... Encore ça... Putain, mais sans déconner. Oh, mais c'est un véritable enfer, quoi. Regardez, mais il était encore déjà prêt à m'attaquer, quoi, c'est du véritable délire. Oh, mais... Et puis Raziel qui fait des trucs bizarres aussi, des fois. Allez. Putain, mais on va pas me dire que ça le touche pas, là. Putain, je me souvenais pas qu'il était aussi ardu ce système de combat, mais là je suis vraiment surpris, j'ai l'impression que je fais mal quelque chose, que je dois pas trop gérer de la fougère. Ok, ok, ok. Merci. Il y a un autre ennemi qui traîne par contre. Ah ouais, il est là-haut. Putain de saloperie. Il va me tomber dessus, je suis sûr. Allez, on active ça en vitesse avant qu'il y en ait un autre qui respawn parce que là, marre. Vraiment marre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai fait quoi là? Ça rentre ouvert l'autre. Et alors, ça fait quoi si je rouvre celui-là? Et bah, profitons-en pour tester notre nouvelle vue à la première personne. Enfin, plus ou moins. Avec un nombre de caméras assez limité. À quoi ça a servi? Je sais pas trop à quoi ça va servir. Et là, je devais monter, je vais me faire dérouiller! Putain! Oh non! Bon, d'accord. Allez! T'as intérêt à me rendre à cesse, salope. Salope. Merci! Quand même le garder. Raziel. Ah oui, on peut viser à la première personne aussi. Ça, c'est sympa. Vu que du coup. Allez, ramasse. Merci. Putain, il attend de se soigner quoi. On va essayer de le tuer à distance parce que j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Allez. Ça, c'est mal foutu quand même, hein. Laborieux. Oh bordel! Mais va chier! Évidemment, la lance elle reste là-haut, hein. Ça serait trop facile sinon. Ça serait trop facile! C'est l'enfer! Je suis arrivé en enfer! Ah, va chier! Eh, hey, tire-toi! Je pensais pas que ce sort serait un jour utile. Je suis là, franchement, je suis en train de péter les plombs, quoi. Et déjà, je sais pas à quoi ça sert tout ça. Est-ce que c'est supposé activer quelque chose ou... Oh non! Oh putain! Sérieux, c'est frustrant, c'est flippant la vitesse à laquelle il bouge quand vous avez un angle de caméra pourri, quoi. C'est genre, il se précipite vers la mort. Ouais, j'ai trop perdu de vie, sans déconner, quoi. Oh putain, vivement qu'on retourne à des vampires moins casse-couilles, putain. On va essayer de progresser un peu quand même, hein. Plutôt que de continuer à s'énerver sur ces saloperies useless.
qui font rien que nous embêter, eux. Ok, où est-ce que je suis tombé? En plein milieu d'un enfer encore. Mais allez, mais va chier. Mais t'as combien de PV toi? Putain, la souris verte elle est pas assez puissante quoi. Alors on peut l'améliorer, c'est un truc qui est caché et qui est pas franchement utile. Mais je sais pas du tout où je suis en plus. Je suis paumé. Je crois que ce jeu était un peu trop hardcore pour moi. Alors que franchement je l'ai fini quand j'étais gosse et j'avais aucun mal, aucun souci. Je me souviens pas qu'il était aussi dur. Je pense que j'ai vieilli et que je suis trop habitué au jeu assisté à 100%. Et que du coup quand je me prends à un truc qui est un peu plus challenger, eh ben je me mange mes dents gentiment. Ok. Ok, ça a servi à rien. On est où bordel? J'ai vu un portail, mais j'ai pas envie de l'emprunter. Mais de toute façon je crois que je vais être obligé. Et il va y avoir 150 trilliards de... Oh allez. Oh, 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 c'était pas prévisible. Oh mon dieu, c'était pas prévisible. Oh, c'était trop pas prévisible. C'était... Je veux dire, là, j'ai été surpris, franchement. GG, là, ça m'a fait vraiment... Je m'y attendais pas. C'est... Je suis sur le cul. On va les ignorer, parce que voilà, merde, fait chier à la fin. Ok, doucement. Non ! Ah ! Non ! Mais non ! Mais bien sûr ! En plus, il y a un bouffeur d'âme ! Comme de bien entendu ! Mais comme de bien entendu ! Putain, mais comment on peut être aussi mauvais que ça ? Mais... C'est laborieux. Allez, évite de glisser sur les textures raziales, s'il te plaît. Alors, ne comptez pas sur un sort de soin, c'est... impossible, c'est... inimaginable. Putain, alors c'était là, pas là ici que j'étais... C'était pas ici que j'étais supposé aller, forcément. Comme de bien entendu. Et je suppose que je ne peux pas non plus accéder ici. Si ! Un petit coup de bol, j'ai l'impression que j'ai un peu triché. C'est pas grave, de toute façon... C'est pas comme si j'étais... c'est pas comme si le jeu était tout à fait honnête non plus. Hein. Je suis désolé, mais... pour ce que je vois pour l'instant, c'est juste un salopard qui s'amuse à me casser la gueule sans vergogne. Ok, doucement. Encore une nouvelle salle avec des cocons, c'est pas bon signe. Putain. Pourquoi? J'ai quoi? Je suis coupable de quelque chose, c'est obligé. Reste à savoir, reste à trouver de quoi. Le coup de stress. Oh bon sang, c'est... Alors la caméra aussi, la première personne n'est pas top parce qu'il faut se tourner pour que Raziel puisse tourner. Ok, alors il me faut un bloc. Donc il faut que je déplace un bloc. Et donc il faut que j'élimine ces saloperies. Parce que vous l'avez deviné, déplacer un bloc quand il y a des ennemis à proximité, c'est pas top top. Fais chier bordel. Allons voir dans la sphère spectrale d'abord. Ouais, pas grand chose qui change. Bon, il y a un portail en sécurité, c'est une bonne chose. Alors donc oui, il y a bel et bien un bloc, ça va sûrement faire s'effondrer tout. Ok. Je stresse parce que ces saloperies, elles vont me déchiqueter la rondelle. Façon provençale. Oh oui, j'ai la... puissance de la funk. Et vite avant qu'elles réapparaissent. Parce que oui, elles vont réapparaître. Parce que oui, elles sont chiantes. Parce que oui, ce monde est ingrat. Tout se casse la gueule. Et on a un truc qui pourrait faire une espèce d'effet levier ou tout simplement un élévateur. Un point d'accès pour plus haut. Non, caméra, je te déteste. Du plus profond de mon être. Ok, ça fonctionne pas, mais au moins on a activé le machin, c'est une bonne chose. Ok, alors il y a son copain qui est réapparu. On va faire ça à la jeune. C'est-à-dire, en traître, on fuit
quand on est tout seul et quand on est en surnombre, on attaque. Sauf qu'on est jamais en surnombre, donc je crois qu'on va pas beaucoup attaquer. Ok, la technique, je les laisse venir à moi, je les laisse attaquer, après je les dérouille. Pas d'initiative. Il y en a l'autre, il y en a l'autre, il est juste à l'autre, juste au coin là, il est à l'angle. J'ai peur. Viens. Oui, ça va, on gère. On gère, on est trop fort. Pas la cinématique. Oh non, y'en a deux. Attends, j'ai la tête qui tourne. Je stresse trop. J'ai trop peur. Oh putain, ils sont vachement beaucoup. Il y en a un autre. Non, il y en a pas. Je suis à fond stressé. Là, je suis stressé. Je suis. Putain. Saloperie. Il y en a un autre. Il est derrière. Il arrive. Il va me prendre par derrière. C'est vachement ambigu. J'aime pas ça. Oui. Perfect. Vite. Fuyons. Courons, allons-nous-en, on décampe, on se tire, on se fait la malle. Non, j'ai trop peur. Ce jeu va me faire plus peur que n'importe quel Silent Hill, mais pas pour les bonnes raisons. Oui, on est en sécurité. Du calme. Décontracte, relax. Tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes. Allez, Raziel, on se tourne gentiment. On se met hors de portée. Putain, faut que j'aille où? Faut que je fasse quoi? Là-bas, il y a quelque chose. Et je suis monté. Oh, bah la vache! Putain, faut vraiment pas qu'on se laisse bouffer par ces connards. C'est hors de question que je les laisse me niaquer une fois de plus. Bon, ça va sûrement arriver, hein, éventuellement, je vais me faire défoncer la gueule, hein, mais que voulez-vous. Alors, je pense qu'un petit tour par la sphère spectrale, ça s'impose, puisque je ne trouve rien de fantasmatique sur lesquels expandre mes capacités de raisonnement logique. Non, je suis trop en danger. Vite, relax. Tranquille, déstress. Bon, sphère spectrale. Je me suis fait corner comme un débutant. Pas d'âme. On va essayer de trouver des charognards. Y'a pas âme qui vive. LOL. Maxi blague. Humour dévastateur. Ou pas. Donc, que faire mes amis? Aidez-moi. Je sais pas, faites quelque chose. Maximum trolling. Fuck it. Ok, on peut monter directement ici, c'est bon à savoir. Ok, rien ici. C'est un peu nul. Maybe ça sera coupé au montage, maybe not. Alors on pouvait monter ici directement, je vois pas pourquoi je me suis cassé les fesses, comme dirait mon ami. Non, j'ai pas d'amis en fait, c'est pas vrai. Je suis un nerd, je m'énerve pour rien quoi. Je suis en train de m'exciter sur des jeux vidéo alors j'ai pas d'amis quoi. C'est tout. Je veux pas le dire en fait mais. Bref, trêve de plaisanterie. Des plaisanteries, comme dirait Zeyerman. Tentons de progresser un peu. Parce que c'est bien beau de disserter sur l'amitié en milieu vidéoludique. Mais ça ne nous avance pas beaucoup sur la question. Où est Kane? Et comment vais-je lui défoncer la rondelle? Ah bon, c'était un fail. Je crois. Bon, bah alors j'ai rechargé ma vie à défaut d'âme. On va retourner dans la sphère matérielle. Vite. On va se mettre loin
loin, disais-je, de ce saloperie. Non ! Non ! Non ! Vite, remonte, Aziel, remonte. Oui. Bon, je suis dans les textures, c'est mieux que d'être dans la bouche de ces connards. Il y a du progrès. Qu'avons-nous ? Des cadavres. Je crois que tout en haut de la salle, il y avait quelque chose, mais comment puis-je y accéder ? C'est la grande question. Je crois qu'il faut faire basculer ceci, mais comment faire ? Comment procéder ? Un peu d'observation. Et il y a quelque chose là-bas. Comment y accéderai-je ? Hein, il faut que je tombe sur le tuyau en contrebas. Chose mal, pas très aisée. Oh mon... Ah, sweet ! On peut planer, c'est vrai. On peut planer, mec. On plane trop, sans déconner. Alors, il aurait fallu être dans la sphère matérielle, donc... Et je suppute qu'il faut pousser le tuyau. Non ! Non ! Vite, plane ! Plane, Raziel, plane ! La drogue, c'est bien. N'écoutez pas ce que dit le narrateur. Ah ! Oh, c'était juste... Ça va être juste... Ah ! Non ! Non ! Oh, putain ! Je les déteste. Je les hais du plus profond de mon être. Crève ! Encore ! One more time. Faut rester prudent. Ça va, il est bon, le mur. Va te faire foutre. Et évidemment, l'âme a disparu, comme par hasard, comme de bien nécessaire dans ce monde cruel. Tiens, il y a quelque chose ici, je crois. Oui, il semblerait que ce soit l'accès réel à la zone. Non, ce n'est point l'accès réel à la zone susmentionnée. Bon, pendant que l'autre se balade dans cette texture aux F au carré, on y va, on fonce, on avance un peu, on progresse, on évolue. Afin d'en être enfin débarrassé. Ce qui serait un moindre mal étant donné les circonstances. C'est-à-dire du fail sur du fail avec un peu de réussite, mais rien de concret. Puisque nous sommes toujours coincés dans la citadelle, je pensais pouvoir régler ça en deux vidéos, mais faut pas rêver. Une bonne chose de faite. Mais ça n'a pas l'air de faire... Ah ! Donc encore deux ! Encore une énigme ! Super ! Donc ça sera encore long. Très long. Trop long. À mon goût. Bon. Vite. Allons le dérouiller. Avec un peu de chance, on pourra récupérer la Soul River. Fuck ! Fuck ! Oh ! Putain ! C'est la fête ! Ça y est, je me casse, vous avez gagné, je me tire, je m'arrache, je me fais la malle ! Kenavo, les bouseux. Non ! On va essayer d'en résoudre un autre avant d'arrêter, parce que bon, voilà, le lilal au carré... Mais... Je commence un peu à manquer de temps aussi, légèrement. Rien de... De bien mauvais, je vous rassure. Alors, je crois qu'il faut déplacer le bloc. Va chier, va chier, tu montes pas ici. Y'a pas moyen. Non, faut que je déplace le bloc. Je vais être débordé. Bon, ils sont occupés, profitons-en. Regardez-moi ces abrutis, quoi. Comment vous confiez, pourquoi confier autant de puissance à des abrutis? Bon, je veux dire, ils ont beau être stupides, ils arrivent quand même à bien me baiser. Donc on va pas trop faire le malin. La dernière fois, ça avait pas fait quelque chose de très cool, donc on va éviter. Go ! On va pouvoir se restaurer, peut-être. Ça serait pas mal. Je serais pas contre. Je pense que ça serait un bon compromis entre retour à la sphère matérielle et survie. J'ai l'impression qu'on peut grimper ici, c'est-à-dire qu'on... Oh, des charognards, quelle poisse. Enfin... Donc c'était ici où nous étions. Là-haut, je sais pas ce qu'il y a. Je crois pas que je puisse y accéder. Pas tout de suite en tout cas. Moi je parle pas très fort parce que je réfléchis. Je me caresse gentiment la barbe en supputant sur la nature de ma destination. Je vais pas me refaire corner parce que c'est hors de question. C'est hors de question.
Va chier. C'était chaud, mes amis. Par où je suis venu déjà? Ça me perturbe de le savoir. Sûrement par là-haut. Dans ce cas-là, il me faut passer par la sphère spectrale. Puis-je? Oui. Prochaine destination, donc. Retour en arrière. Je n'ai toujours pas résolu le mystère des interrupteurs de la salle précédente avec mes amis les araignées. Très franchement, ce n'est pas un mystère qui me préoccupe beaucoup, étant donné les circonstances, mais je pense que je vais malheureusement devoir m'y intéresser. Mais je ne vois rien de bien exaltant au sujet de ces piliers que j'ai déplacés. Peut-être est-ce qu'il ne s'agissait simplement que de libérer le passage ici, mais je pouvais déjà y accéder auparavant, alors à quoi bon? Quel intérêt? Tout cela me dépasse. Je suis aussi perdu que vous. Je crois que notre destination n'était donc pas par ici. Ah! Non, on ne retombe pas, Raziel. C'est inutile et c'est une perte de temps fastidieuse. Déjà que dans le genre, je me place là. Oh, Raziel, je t'en prie, fais un petit effort. Mais... Merci. C'est pas que ça lague un peu quand même, hein. Mais... ma foi, je crois que c'est mon lot de problèmes habituels. Puis-je vraiment accéder en face? J'ai l'impression qu'il me faut la capacité de grimper. Pour cela, il faudrait que je me défasse du boss. Et pour cela, il faudrait que je puisse accéder à la partie supérieure. Pour cela, il faut activer encore deux pompes. Là, je retourne dans la salle de la cloche. Est-ce que la cloche a un quelconque intérêt? Apparemment pas, à part attirer les ennemis du coin. Donc, totalement useless, comme dirait mon ami. Le wowien moyen. Ou autiste, on va dire. Je retombe, je tombe et je tombe. Je continue d'échouer. Voyons voir. Cette salle. Le problème est déjà réglé. C'est un fait avéré. Va chier. Vous m'emmerdez. J'ai flippé. Que de bruits étranges par ici. Bien. Enfin non, pas bien. Mal. Très mal. Très mauvais. Je suis perdu. C'est pas cool. Y aurait-il d'autres tuyaux à bouger? Ou simplement à déplacer? Des problèmes à régler? Des énigmes à résoudre? Je suis là pour ça. Alors pourquoi me les cacher? Où vais-je? Oh! Y a un trou là-bas. À moins que ce ne fût simplement le support de l'interrupteur. Yes, ce ne fût que simplement le support de l'interrupteur. Eh bien, mes amis, je suis perdu. Eh bien, ça sera coupé sûrement au montage. Donc, je continue un peu à jouer parce que c'est comme ça me fera un temps plus bref de vidéo. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que bon, uploader une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà quoi. Faut pas déconner non plus, hein. Y a des limites, hein. Pas déconner. C'est que je mets mon platine. Et ma platine, DJ. Let's make it feel like vibe avec mon mec. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou! La folie s'est emparée de mon esprit. Ainsi, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je me mets à chanter du Diams. J'ai changé. Je ne suis plus qu'une bête. Une bête à débloquer des puzzles et à prendre des coups d'araignées. Monstrueuse. Je ne suis plus qu'un fantôme. Une ombre. Y a-t-il quelque chose ici? Apparemment pas, il n'y a qu'un seul tuyau, donc ce seul tuyau que j'ai déplacé. Donc il faudrait trouver éventuellement la destination des autres tuyaux. Est-ce possible? Hein? Y a quelque chose? Non, y a rien. Forcément, y a rien, je veux dire. Faut pas déconner non plus. Je parle tout seul, ça sera sûrement coupé au montage, c'est pas grave. Osez être au carré. Je suis un ouf. Oh. Allez! Quelle poisse! J'ai mal au cou. C'est toujours moins mal que d'avoir mal au cul. Let's have fun. Let's try something else.
Va-t'en, va-t'en, créature de l'enfer, pourriture sataniste. Je te conchis. Conchier, ça veut dire faire caca dessus. C'est intéressant parce que... De toute façon, ça sera coupé au montage, peut-être. Que de mystère, cet endroit. La première fois que je me retrouve aussi perdu que ceci. Même Silent Hill ne m'avait point... déshonoré ainsi. On tourne en rond. Si ça se trouve, il fallait prendre le tuyau, même s'il n'y en avait qu'un seul d'activé. Allons voir ça, parce que c'est la seule piste que j'ai, sauf s'il faut peut-être remonter encore plus en arrière. Mais où? Jusqu'où? Que faire? Serait-ce vraiment le bout de ce voyage? Serais-je perdu à jamais? Ah mon dieu! Quelle tragédie! Comme diraient mes amis les Québécois. Je sais qu'on a des Belges dans l'assemblée. Je vous salue bien bas. Allez! Mais je faisais l'accent québécois, hein, mais je parle belge parce que voilà, c'est des francophones. Donc je les salue aussi. Et je salue les Québécois s'il y en a. Je l'ignore, mais ça m'intéresse de le savoir, donc... Ok! Ouais, Raziel! Si t'es content, lève tes mains! Si t'es content, lève tes mains! Ouais! Waouh! Faut pas que je me laisse distraire parce que sinon je vais me faire encore violer. Et ça serait dommage. Ah, allez vite. On pénètre dans la sphère spectrale! Pour ne point y rester. Si nous nous dépêchons pas. Alors, on va tenter ce que je. Non! 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 Je refuse! Ah! Raziel! Un peu de tenue! Faut y aller doucement hein, quand vous vous déplacez. Hein. C'est vraiment ultra sensible et Raziel ne se retient pas de sauter d'une plateforme. Allez! Va chier! Non! Mais bien sûr! Ah! Il y a un problème aussi dans. Comment dire? La physique des déplacements de Raziel, il a tendance à beaucoup ralentir quand vous faites quelque chose. Il a des temps de délai. Bon, c'est un peu une excuse foireuse, hein, vous m'excuserez de ça. Alors, on va tenter ma théorie. Évidemment, ça ne suffit point. Je m'en doutais un peu. Bon, alors il faut activer les autres tuyaux. Et j'ignore quels qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont? Que sont-ils? Que sont-ce? Alors on a une plateforme plus haut, je comprends pas trop l'intérêt puisqu'il me semble qu'on peut accéder à... Non, on peut pas. On peut pas y accéder. Il faut passer par là obligatoirement. Donc ma théorie tombe à l'eau. Et il n'y a rien d'autre ici. C'est un peu perturbant. Ah, ces bruits commencent à me fatiguer. Allez, putain. Ça m'avait pas manqué ça. Non, pas du tout. Pas trop. Merci. Ah bah oui, je suis bête moi. J'avais oublié ça. Bim. Il y a un truc qui fait un bruit, c'est assez chiant. Qu'est-ce que ça peut être? Je crois que c'est ça. Ah là, c'est les ventilateurs en bas. Ok, alors on va éviter de tomber parce que ça sent mauvais quand même. On va y aller doucement. Doucement, Raziel. Observe tes environs. Prends note des endroits accessibles. Alors il y a un tuyau au-dessus, comment j'y accède? Comment puis-je pousser ce fameux... pipe. Je doute que Raziel accepte de s'accrocher au tuyau, mais bon. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Non, non. Ah, je vole. Je vole, c'est vrai, je vole. Fantastique. Go. Ça nous a fait un de plus. Par contre, faut qu'on active toujours la vapeur du troisième. Donc, ça nous en fait deux.
crois. Bah alors... Celui-là n'avait pas de vapeur. Peut-être que maintenant il y a de la vapeur, donc j'ai poussé le tuyau. Mais il faut toujours que j'active la vapeur quelque part, et j'ignore où, et c'est assez inquiétant, parce que je ne sais pas du tout où me diriger. Mais on progresse un peu. Alors il y aura une grosse coupure, c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors ici, tout est mis, question tuyau, on va essayer. Raziel ne répond plus. Ici Raziel, out. Allons tester ma théorie. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. J'y crois pas trop, mais ne soyons pas non plus un pessimiste. Un pessimiste. Je vois pas d'autre mot. Hein. Désolé, c'est du pessimisme. Bien. Allons-y. Pour la gloire! Peut-être manque-je quelque chose. Ou ça ne suffit pas. Et je crois que ça ne suffit pas. Bon, très bien. C'était inutile pour l'instant. Bon, alors il m'en manque un. Et j'ignore tout à fait où. On va remonter un peu plus en arrière. Non, je crois que c'est pas utile. Il faut juste que je trouve un bouton pour activer la dernière vapeur. Où peut-elle bien être? Je l'ignore. J'aimerais bien résoudre cette énigme dans cette vidéo. Je vais regarder combien de temps d'enregistrement j'ai. Ouais, 31 minutes, ça va faire trop, je suis désolé. Il y aura une grosse coupure au milieu, donc ça fera à peu près 20 minutes, et c'est très bien, je trouve. Donc dans le prochain épisode, nous essaierons de trouver comment activer la dernière vapeur. Et ainsi, pouvoir accéder à une strate supérieure avec encore plus d'énigmes, encore plus d'arachnides, et peut-être un boss de fin, finalement. Pas de jeu, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Je suis désolé de vous l'apprendre, parce que vous allez devoir supporter un peu plus des ennemis vachement beaucoup dégueulasses. Bon là, je l'ai fait exprès hein, de me faire toucher, parce que je savais que de toute façon, il viendrait à moi. Ouais, sans déconner. Hein. Alors, je ferai une save state, parce que j'ai pas envie de recommencer à chaque fois. Et je vous retrouve la prochaine fois dans ce let's play de Legacy of Kain Soul River. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, bye.